Il faut reconnaître que le système de santé a été ébranlé lorsqu'il y a eu l'épidémie d'Ebola. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'insuffisances. L'intervention de USA a été salutaire pour la structure, notamment toute la peinture, le carrelage, la rénovation des toilettes, la desserte en eau, en électricité. Actuellement, tous les professionnels travaillent dans des conditions plus agréables. Tout ça s'est amélioré. La prise en charge de la PCI d'Ebola guérit. La prévention et le contrôle de l'infection sont de rigueur. Aujourd'hui, nous avançons lentement mais sûrement vers un horizon plus prometteur des personnes qui souffrent. Avant la rénovation, il n'y avait pas suffisamment d'eau. Ensuite, il n'y avait pas de ventilation dans les salles. Il n'y avait pas d'électricité et de climatisation aussi dans le magasin de stockage des médicaments. La rénovation, vraiment, nous sommes très satisfaits. Ça, c'est pour prévenir d'autres épidémies.